I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You're a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que ça va bien à la maison. Bienvenue à ce Wrestle Rock Podcast. Mon nom est Nostradaben et je vais animer cette émission avec Johnny D. Comment ça va, mon Ben? Hein? Ça va bien. Hey, yeah. quatre ans d'effort. Yes, 4 ans d'amour et d'allégresse, comme on dit, ouais. Et beaucoup de travail, en fait, derrière tout ça. L'émission pour vrai, nous, elle vient vraiment du fond du cœur parce qu'on a travaillé extrêmement fort. On sait qu'il y a plein de gens qui essaient de pouvoir mettre la main dessus. C'est vraiment compliqué. Il y a une barrière de langage. Alors, on a réussi de peine et de misère avec des contacts qu'on remercie d'ailleurs, ouais, qu'on nommera pas. Contacts interprètes. Oui, c'est ça. Qui ont pu nous avoir quelques vidéos de Joshen Thunder Liger, la légende vivante. Joshen Thunder Liger, qui a commencé à la fin des années 70, là, qui a fait la pluie et le beau temps, là, surtout au niveau du Japon, là, qui a fait des grands combats, là, entre autres le Junior ouais, en 95, là, en 92. Là, 95 aussi. Oui, ouais, il y en a eu plusieurs là, de ces époques-là. Là, puis, on lui a posé certaines questions et puis malheureusement, il n'est pas avec nous, mais on a réussi à poser des questions, mais on a les réponses. Donc, la première question, vas-y mon ami. C'est tout ça pour expliquer que ce n'est pas une entrevue traditionnelle. Non, c'est ça. Il n'y a pas de prédiction de Nostradamus. Non, non, malheureusement. C'est comme une conférence de presse. Oui, c'est ça. Comme quelqu'un qui vient faire une conférence dans des écoles secondaires. Là. C'est ça, on a réussi à avoir des réponses. Donc, voici, en fait, on lui a posé l'une des premières questions était très simple. En fait, c'était What is your top 5 opponent in your wrestling career? Donc, c'est quel a été votre top 5 des meilleurs combattants avec qui vous avez combattu? Alors, voici la réponse. Antonio Inocchi, Tony Funk Jr., Terry Funk, Harry Reyes, Errol Sultan, Errol Santo. Donc, c'est ça, on a les réponses, puis tu peux les dire si tu veux, là, si jamais les gens n'ont pas... Des noms à retenir, mesdames et messieurs, Monsieur Antonio Inocchi, ensuite Dory Funk Jr., son frère Terry Funk, Harley Race et yes. El Santo. Yes. Par la suite, dans le fond, on lui a posé la question. On a posé la question à l'interprète, l'interprète a posé la question. Bref, on lui a posé la question est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des adversaires quelconques durant des combats? Alors, voici la réponse. Tu ne peux pas dire en anglais? Did you have any problems with certain wrestlers during a match? Mais de toute façon, on va avoir une version en anglais. Oh, oui, parce que... 関係なしにやりたかったレスラーは何人もいます。その中でエルソルタリオオリジナル、エルサントオリジナル、ヘルアブライオリジナル。その3人は。Ce qui voulait dire
faire une histoire courte. Non seulement nous sommes heurtés, le jeu s'est terminé, ça, c'est, la manière que ça s'est traduit. Ça. Alors, voulant dire, probablement qu'ils sont en regard des bêtes pendant le match, mais ils ont peut-être eu une petite altercation, mais rien de plus. Là. Yes, exactement. Ils ont peut-être fait ça pour de vrai, parce que ça arrive des fois dans la lutte, yes, tu fais ça pour de vrai. Ensuite de ça, on lui a posé la question « Would you consider the 1995 Super G Cup match against Ultimo Dragon to be one of the three most important of your wrestling career? » En gros, se traduit, ouais, en... ce qui se traduit en est-ce que tu considères ton match de 1995 au Super G Cup comme l'un des trois plus grands combats de ta carrière? Donc, voici la réponse. Liger ha sido un luchador representativo muy importante en Japón, pero para Liger también hay algún ídolo dentro de los personajes japoneses o luchadores japoneses, ¿quién es al que él más admira? Y una segunda pregunta ya incluida, en la Copa Super Junior del 95 contra Último Dragón, ¿considera esa una de las más importantes por la importancia del título en esa ocasión? Sí, Último Dragón. Último Dragón, さんと戦った試合か、それはなんかとても重要な試合だったんですが、ラカソニスに。ウルティモドラゴン選手は、マスクをつける前、新日の道場で練習してました。そういう意味では、まあ仲間です。それと、ぶつかる時はもうとにかく徹底的に相手を潰す。 Je sens que les Espagnols et les Japonais vont nous aimer parce qu'il est en plusieurs langues. Oui, c'est ça. Alors, il répond 5 matchs contre Ultimo Dragon sont considérés comme le meilleur match de ma prestigieuse carrière. Oui, c'est ça. Alors. On se souviendra qu'ils ont tellement fait des bons combats là, dans ces époques-là. Là, c'est assez incroyable à quel point ça l'a marqué. En fait, ça l'a marqué vraiment une génération. Puis la génération de lutte qu'on a en ce moment, Benoît, elle est extrêmement avancée grâce à ces deux personnages-là. Ah, l'inventeur du Shooting Star Press, en plus, 450 tout ça. Yes. Zay Moonsault, c'est Ultimo Dragon. Oui, c'est ça, exact. Okay, c'est des Mexican Surfboard aussi, je pense. Il y en a plein, là, tu sais. Il y a plein de trucs comme ça. Tu peux compter ça dans l'univers, là. Yes, et on a aussi posé la question, numéro 4. Des dernières, malheureusement, on n'a pas beaucoup pu avoir de réponses, là. Puis je ne suis pas certain qu'on a la question numéro 2, Ben, je ne suis pas certain que, genre, c'est la bonne réponse, là. On a travaillé extrêmement fort. Mais la réponse, je ne suis pas certain. En tout cas, ça n'a vraiment pas été facile d'avoir les bonnes réponses, mais je vous confirme que la 1 et la 3, c'est vraiment les bonnes réponses. Là. La quatrième question, on lui a posé pouvez-vous, Krim, vous aimez? Ouais. Pouvez-vous nous partager une anecdote lors de votre début de carrière? Et voici sa réponse. アルコンオルティス選手とレオン・チノクです。怖かったです。とにかく怖かったです。特にアルコンオルティス先生は体がこんな大きいです。怖かったです。 Il raconte que quand il était jeune, il a commencé à s'entraîner dans la lutte professionnelle à l'aréna au Mexique et que son professeur faisait vraiment peur. Et c'était un alcoolique qui était fort sa bouteille. Donc, il conclut cette anecdote en disant qu'à chaque fois qu'il voit un alcoolique, il pense à ce merveilleux professeur. Exactement. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo d'environ une dizaine de minutes. Il n'y en a pas d'autres. Non, j'ai seulement 4 questions, mais je peux vous dire une chose, ça a été vraiment beaucoup de travail. Alors, j'espère que vous l'avez apprécié. C'était une émission spéciale sur Joshua Thunder Liger. Merci à notre contact précieux qu'on va garder près de... Puis on espère un jour pouvoir l'avoir en entrevue. J'imagine que ça va se réaliser, sans pas avoir d'autres légendes. Il est très occupé.
Si on peut avoir d'autres légendes du Japon, au Mexique, tout dépendant. Oui, ben ça va venir, les amis. Soyons juste patients. Et puis, ça va venir. On travaille extrêmement fort pour vous autres et pour nous. The English version is coming. Yes. Don't miss it. Merci. Goodbye. Bye-bye.